cuire la pâte à blanc. Alors, en quoi ça consiste? Vous avez étalé votre pâte sur l'ensemble de votre plat. Il vous suffit, bien évidemment, comme chaque pâte, de créer des petits trous partout de façon à ce qu'elle ne gonfle pas. Et pour cuire à blanc sans qu'elle ne brûle, vous placez une feuille de papier sulfurisé par-dessus. Bien à plat, sur lequel vous allez déposer, alors ici des pois chiches, donc des pois secs en fait. Vous pouvez très bien utiliser des haricots secs ou des pois chiches pour bloquer en fait la pâte et la faire pré-cuire. Donc une fois que vous avez bien couvert votre pâte avec vos pois et votre papier sulfurisé, on va mettre la pâte à cuire dans le four que vous aurez préchauffé à 180-190 degrés selon votre four. Et on va la laisser cuire pendant à peu près 10-15 minutes. Vous avez vos petits pois chiches qui ont protégé l'ensemble. Et vous voyez, elle a déjà commencé à brunir, donc il ne fallait pas trop tarder. Voilà notre fond de tarte blanchi. On voit bien qu'il est bien cuit, il y a toutes nos marques de fourchette dessus. L'avantage, c'est que tous les fruits qui donc jutent éviteront de détremper la pâte puisqu'elle a déjà pré-cuit.